Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition Bétadine, la mise en garde du ministère de la Santé. Un ancien migrant clandestin devenu coiffeur professionnel. C'est quoi une zone à risque? Ça dit que Bétadine, quand tu le prends, et puis tu fais ta... Ça dit que tu nettoies, tu fais ta toilette, tu te nettoies avec la Bétadine. Ça fait que même, si tu allais même là, même qu'il y a des petites infections, genre... Comme ça, toi, ça te prend pas. L'affaire fait grand bruit sur la toile. Une influenceuse coach sur les réseaux sociaux a conseillé lors d'un direct à ses nombreux fans l'utilisation de la Bétadine jaune à badigeonner sur les parties génitales avant un rapport sexuel. Un conseil qui a suscité une vague d'indignation de la part des internautes. Les acteurs du milieu sanitaire se sont exprimés à ce sujet. Il faut savoir que le vagin se nettoie tout seul. Lorsque vous utilisez un antiseptique comme la Bétadine ou alors tous les autres antiseptiques que vous pouvez imaginer, des savons, tout ça, ça va détruire ce qu'on appelle la flore vaginale. Et la flore vaginale, c'est un ensemble de bactéries qui siègent au niveau de Jessica et qui permettent de faire en sorte qu'elle soit protégée contre les mauvaises bactéries. En effet, la Bétadine jaune conseillée par l'influenceuse est la Bétadine dermique, un antiseptique à large spectre bactéricide, fongicide et virucide, faisant partie du groupe antiseptique des dérivés iodés. Il est utilisé dans les cas de plaies ou brûlures superficielles. Celle utilisée dans le cadre gynécologique est la Bétadine bleue, mais la sage-femme prévient des risques qu'on peut encourir en cas d'usage répété et prolongé. On peut se faire recommander par un médecin, par une sage-femme, une utilisation ponctuelle d'antiseptiques quand on a une infection vaginale déjà installée. Mais quand on n'a pas d'infection, on n'utilise pas d'antiseptique. Le ministère de la Santé a également produit un communiqué pour avertir de la dangerosité de l'utilisation de la Bétadine pour la toilette intime, utilisation qui expose les femmes à des infections qui peuvent aboutir à une stérilité. Pour rappel, il existe 5 types de Bétadine, la Bétadine dermique de couleur jaune, la Bétadine scrub de couleur rouge, la Bétadine alcoolique de couleur orange, la Bétadine gynécologique de couleur bleue et la Bétadine gargarique ou dentaire de couleur verte. Notons que chacune d'elles a un rôle bien spécifique et doit s'utiliser sur prescription médicale uniquement. Il y a 13 ans, Cissé partait à l'aventure dans l'optique d'avoir une carrière de footballeur professionnel. Frustré de voir ses camarades évoluer en Europe, il parcourt 5 pays en 6 mois avant d'atterrir en France. Cet ex-académicien faisait partie de la génération Sangari Badra Aliou. Malheureusement pour lui, son rêve de footballeur professionnel a été brisé. Honnêtement, je ne regrette pas, mais si c'était à refaire, je n'allais pas faire les mêmes choix. Parce qu'il y a eu des gens qui sont restés sur la route, il y a eu des morts. Et la vie mérite d'être vécue. Il n'y a pas que l'Europe pour être heureux. Aujourd'hui, je reviens avec beaucoup d'expérience, chose que je veux partager. Je suis bien ici, plus que là-bas, alors qu'avant, j'étais persuadé d'être plus heureux en Europe que chez moi. Désormais coiffeur professionnel, il crée en 2020 le Festival de la coiffure et de l'artisanat pour encourager les jeunes à l'entrepreneuriat. Étant un enfant d'Abobo, quand je reviens, je vois une jeunesse inactive, une jeunesse qui rêve sans avoir de repère. Moi qui suis peut-être le modèle pour beaucoup de jeunes, je n'ai pas eu peur d'investir dans ce projet-là afin de partager mon expérience. Et lui montrer aussi que la coiffure peut être aussi un moyen de réussite. La 3e édition de ce festival est prévue du 23 au 24 décembre prochain. Elle sera rythmée par une exposition d'art, une compétition de coiffeurs et des stands de présentation de métiers. Merci à la Fondation pour les sciences de l'Afrique, FSFI. Merci à Welcome Trust, UK Aid, pour avoir accepté de financer ce programme qui se veut hyper ambitieux. Merci à toutes les structures partenaires en Côte d'Ivoire, en Afrique, ailleurs, qui sont associées à ce programme très directement ou indirectement. C'est par ces mots que le professeur Kone Inza, directeur du Centre Suisse des Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire, a procédé au lancement de la 3e phase du programme Afrique One Reach. Afrique One Reach, qui est la 3e phase des activités du consortium panafricain de recherche scientifique, est un programme de renforcement de capacité des chercheurs et praticiens africains. C'est un programme qui a commencé depuis 2009, donc il y a plus d'une vingtaine d'années.
et qui consiste à développer les capacités institutionnelles et individuelles dans le domaine One Health, autrement dit le domaine Une Seule Santé, un domaine qui veut que les approches sanitaires soient prises de façon holistique en considérant à la fois la santé de l'animal, la santé de l'humain et la santé de l'environnement. Et nous, nous intégrons dans ce programme par la formation des chercheurs à tous les niveaux, niveau master, niveau PhD et niveau postdoctorant. Et ces chercheurs auront la capacité de mener des recherches sur des priorités sanitaires en Afrique et apporter des solutions à travers le design des interventions que nous allons aussi développer. Afrique One Reach est un programme spécial du Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire. Il est financé par Developing Excellence in Leadership Training and Science in Africa. Un programme à long terme de plusieurs millions de dollars lancé en 2015 pour soutenir des consortiums dirigés par des scientifiques basés en Afrique. Afin d'éviter d'éventuelles pertes en vie humaine, le gouvernement ivoirien a lancé des opérations de déguerpissement dans plusieurs zones à risque du district d'Abidjan. Que signifie donc ce vocable ? Nous avons posé la question au directeur de cabinet du ministère ivoirien de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. La zone à risque, c'est un endroit où, quand vous êtes et qu'il pleut, votre vie est menacée. Ça peut être sur des flancs de colis, qui peut être sujet à glissement de terrain. Soit vous-même, soit si vous êtes sur le flanc, c'est une zone à risque pour vous. Vous êtes en bas, c'est une zone à risque pour vous. On a des compatriotes aujourd'hui qui sont installés dans des cuvettes. Une cuvette, c'est quoi? Quand il pleut, l'eau va venir remplir progressivement jusqu'à ce que ça commence à déborder. Mais quand ça remplit, si votre maison est située là-bas, ça va remplir aussi avec votre maison. Donc pour M. Boaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, il invite ses concitoyens à quitter ces zones à risque. Les populations sont donc invitées à quitter ces zones à risque au plus vite pour préserver leur vie. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info.